Good morning, Aleiden, Moadim le Simcha. Nous sommes le dimanche 16 Nissan 5776, premier jour du Omer. Nelutu Israël Elohim Nishmat Rachel Batsara et l'Irfuat Arav Yosef Haim Ben Emma Simcha. Nous étions Baba Kama Perek Tet Mishnah Yudbet. Nathan Kesef, le Anshe Mishmar Vamet, En Ayorshim Yecholin Elosim Yadam. Sheneemar, Ish Asher Iten La Kohen, Lo Yihye. Nathan Akesef Lioyariv Vehasham Leidaya Yatsa Hasham Lioyariv Vekesef Leidaya Imkayama Hasham Yekrivuhu Bene Yedaya Vimlav Yachzor Veyavi Hasham Acher Shamevi Gezelo Ad Shelo Evi Hashamo Yatsa Evi Hashamo Ad Shelo Evi Gezelo Lo Yatsa Nathan Atakeren Velo Nathan Tachomesh En Achomesh Me Akev. Une petite introduction annexe pour bien comprendre cette Mishnah ensuite. Les Mishmarot Kehuna. Comment ça se passait la gestion du Beth Amikdash, concrètement avec les Kohanim? Il y avait 24 familles de Kohanim qui se relayaient durant toute l'année. Chaque semaine, de Shabbat en Shabbat, les familles de Kohen se changeaient. Et comme ça, on avait un cycle de 24 familles. Pendant les fêtes, comme en ce moment à Pessah, alors c'était toutes les familles qui venaient travailler en même temps, et puis dès qu'on redevenait en Chol, dès qu'on repassait ensuite en Chol après Pessah, donc, alors chaque, de Shabbat en Shabbat, une famille, puis à Shabbat, les deux familles travaillent ensemble, et après le Shabbat d'après, ça se relaye avec la nouvelle famille, d'accord? À titre indicatif aussi, les noms des deux premières familles s'appellent, la première c'est Yehoyariv, et la deuxième c'est Yedaya. Chez ceux qui connaissent les keynotes de Tisha B'Av, par exemple, on parle qu'il y a eu le Chorban Abayit, qui a eu lieu quand c'était Mishmeret Yehoyariv, on dit là-bas dans les keynotes. D'accord? Donc la première c'est Yehoyariv, la deuxième c'est Yedaya. Vous inquiétez pas, quand on en reparlera, je dirais la famille 1, Yehoyariv, famille 2, Yedaya. D'accord? Ça c'était la deuxième introduction. Parmi les dons qu'on fait au Kohanim, alors, il y a des dons à qui on peut donner à n'importe quel Kohen que l'on souhaite. Par exemple, Pidyon Aben, je peux inviter au Pidyon de mon fils, le Kohen que je souhaite, que je désire, et je lui donnerai à lui. Par contre, dans certaines matnot Kehuna, certains cadeaux qu'on fait au Kohanim, certains présents qu'on fait au Kohanim, il faut les donner spécifiquement à la famille de Kohen qui est en ce moment en train de servir, qui est de garde au Beth Amikdash. D'accord ? En l'occurrence, le Gezel Ager qu'on apprenait hier, on ne le donnait que au Kohen. Idem encore pour tous les korbanot qu'on va décider d'apporter. Si je veux apporter un korban en temps normal, en semaine, je vais apporter un korban Khatat par exemple, alors je donnerai ce korban à cette famille, à la famille Yehoyariv. Et donc ce korban maintenant, il appartient concrètement à le mérite de la porter, et en plus de ça, le fait de la viande à consommer ensuite appartient à la famille Yehoyariv. D'accord? Et plus à Yedaya. Je déduis de la Mishnah qui a quand même un cas un peu délicat, j'ai pas vraiment. Je le dis tel que je pense que ça se passait au Beth Amikdash. S'il arrivait que Yehoyariv n'avait pas fini d'apporter tous ses korbanot durant sa semaine, et qu'ensuite c'était Yedaya qui rentre en fonction, alors je comprends dans la Mishnah que Yehoyariv pouvait continuer ensuite à porter ce korban qu'il a déjà reçu. La semaine dernière, il pourra l'apporter la semaine d'après, puisque c'est encore maintenant ça lui appartient, donc le Kohen a le droit de continuer à apporter les korbanot qui lui appartiennent, et là ça lui appartient parce qu'ils l'ont reçu de droit. D'accord? Ça, je le dis qu'à 80%, c'est comme ça que j'ai compris la Mishnah. Il y a un petit problème délicat. Dans les Mefarshim que j'ai regardé, j'ai pas vu quelqu'un qui s'occupe de cette question. Enfin, voilà pour cette introduction. Maintenant, un autre rappel. C'est les trois choses à faire lorsqu'on fait tchouva qu'on a volé en jurant. On doit rembourser le keren, le capital, le chomesh, le cinquième, et ensuite apporter son korban hacham. Maintenant, toute notre Mishnah va s'intéresser à bien définir le devoir de chacun en nous disant par exemple que c'est des notions qu'on a déjà évoquées plus qu'oralement même. Le cinquième par exemple, on apprenait déjà que le cinquième n'empêche pas d'apporter le korban. Par contre, si on a apporté le korban avant de rembourser l'argent volé, alors là, le korban est invalidé. Tout ça, on va l'apprendre dans notre Mishnah.
La Mishnah va être structurée de manière progressive. On va commencer d'abord avec un premier sujet simple. À votre avis, mieux que ça, on va rappeler la Mishnah d'avant, d'hier, d'avant Pessah, qu'on apprenait que celui qui apporte celui qui était en route pour Jérusalem pour apporter son korban à Cham et rendre cet argent à la famille des Kohanim qui est de garde, s'il est mort, on apprenait qu'il devra plus. Il n'y a plus d'intérêt à ce que ses héritiers donnent cet argent aux Kohanim. Ses héritiers pourront acquérir cet argent et n'auront aucun intérêt à donner cet argent aux Kohanim. D'accord ? Question maintenant. Si cette personne a commencé à rembourser le capital et n'a pas eu le temps d'apporter son korban Hacham, qu'il décède, est-ce qu'on va dire que les Kohanim devront rembourser dans ce cas-là l'argent qu'ils ont reçu ? Pourquoi ? Cette personne est venue faire une capara. Il a commencé à faire la capara. Il n'a pas eu le temps de finir. Dans ce cas-là, les Kohanim n'auraient éventuellement pas le droit de recevoir cet argent qu'ils ont reçu. Ils ont reçu cet argent que si cet argent vient faire la capara, vient faire l'expiation. Or, cette personne, ce voleur qui a fait tchouva, est décédé avant de finir son expiation. Peut-être que les Kohanim devraient, dans ce cas-là, rendre l'argent. Ou bien, est-ce qu'on dira non ? L'argent qu'il a donné a été donné au Kohanim en tant que capara, et ça marche quand même, c'est une petite expiation. Alors la Mishnah nous enseigne que effectivement c'est quand même une demi-expiation, et ça marche. Regardez, on fait ça dans les mots. Natan HaKesef le'anshe mishmar. Il a donné l'argent au Anshe Mishmar, aux gens de garde, donc aux Kohanim qui sont en service en ce moment. Vamet, et ce pauvre voleur n'a pas eu le temps d'apporter son korban Hacham, qu'il est déjà décédé, il est mort. La Mishnah nous dit, En ayorshim yecholim lehotzi miyadam. Les héritiers de cette personne ne pourront plus faire sortir l'argent des Kohanim. D'où on l'apprend, chez Nehemar, comme le dit le verset, Ish asher iten la kohen lo yihye. Lorsqu'un homme donnera cet argent volé au Kohen, lo yihye, ça appartiendra au Kohanim. De là, en l'omdes, la Gemara exprime ça en disant, Abaye nous dit dans le Mishnah, Shmamina kesef mechaper mertza. Lorsqu'il rembourse le capital, il fait déjà la moitié de sa capara. Et donc, puisqu'elle a commencé sa capara, alors on ne va pas lui dire, non, puisqu'elle n'a pas fini sa capara, on va reprendre l'argent. Non, ça, il y aura eu quand même un intérêt à faire la moitié de la capara, ce sera au moins à moitié mechaper. D'accord ? Voilà pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, on va s'intéresser à l'ordre selon lequel on apporte le keren, on rembourse le keren, le capital, et ensuite qu'on amène le korban Hacham. Et là, ça va être un petit peu plus complexe, parce qu'on ne va pas parler uniquement par rapport à la personne qui a voulu apporter son Hacham avant de rendre le keren, avant de rendre le capital, mais on va aussi s'intéresser à la famille des Kohanim qui était de garde, qui n'avait pas le droit de recevoir le korban Hacham avant de recevoir le capital. D'accord ? Première partie de la Mishnah d'abord, de cette Metziata, de la moitié du milieu de la Mishnah, est simple. Natan HaKesef liyoyariv ve'asham liyedaya yatsa. Si cette personne qui est venue apporter son korban au Bet HaMikdash, il a commencé d'abord à rembourser le capital jeudi matin, après-midi, à Mishmeret 1, Yoyariv. Et il n'a pas encore eu le temps d'apporter son korban Hacham, ça a traîné pour X ou Y raison, il n'a pas encore donné à la famille où il arrive. Et ensuite, les Kohanim ont apporté le korban Tamid, Jel Ben Arvaim, donc ils ont apporté le Kavané, on s'est fini, on sera reporté au demain, au lendemain, au vendredi, ou bien à la semaine d'après. Et effectivement, cette personne revient ensuite la semaine d'après pour apporter son korban Hacham, et là il rencontre qu'il y a famille Yedaya, la famille de Yedaya, Yatsa, il s'acquitte. Il n'y a pas de nécessité de donner forcément l'argent et le korban Hacham à la même famille de Kohanim qui est de garde au Beth Amikdash. D'accord ? Ça, pour le moment, c'est clair. D'accord ? On refait ça dans les mots. Natan HaKesef le'Yoyariv. Il a donné, il a remboursé l'argent volé à la famille 1, Yoyariv. Ve Hacham le'Yedaya. Et ensuite, il a apporté son korban Hacham quand c'était la famille 2, Yedaya, qui était de garde. Yatsa, il s'est acquitté. Parce qu'il a fait, donc, comme on a dit, il a fait selon l'ordre requis, d'abord rembourser le vol, et ensuite apporter son korban Hacham. Par contre, s'il a fait le contraire,
Hacham le Yoyariv ve Kesef le Hidaya. Il a donné le Hacham à la famille 1. Donc il a porté son korban Hacham, famille 1, Yoyariv, prends le Hacham, fais-moi le korban. Et ensuite, ve Kesef le Hidaya. Et seulement après, il a apporté, dans un deuxième temps, il a apporté son argent au Beth Amikdash pour le donner à la famille des Kohanim qui étaient de garde. Et en l'occurrence, c'était la famille Yedaya. Il est venu donc deux jours après le Shabbat, et il a rencontré là-bas la famille Yedaya, et il a donné de nouveau aussi le capital. Alors là, ça se complique un petit peu. En tout cas, la Mishnah nous dit comme ça. Im kayam ha'asham yakrivu bnei Yedaya. La Mishnah nous dit, si le korban Hacham, il est encore vivant, il est encore dans les mains de Mishmeret Yoyariv, famille 1 espère encore venir apporter ce korban malgré tout. Mais ce qui se passe, c'est que c'est Yedaya qui rentre en service, d'accord? Donc, kayam ha'asham, le Hacham, il est encore là, présent devant nous. Alors la Mishnah nous enseigne, écrivez-vous, Bnei Yedaya. Yoyariv, famille 1, devront le donner à Bnei Yedaya, à famille 2, Yedaya. D'accord? Ils devront lui donner le korban Hacham. On va expliquer à l'oral dans quelques secondes. Veim lav, et sinon, c'est-à-dire si le korban Hacham n'est plus vivant, c'est-à-dire la famille 1, Yoyariv, a déjà apporté le korban Hacham avant de recevoir l'argent en retour, le capital restitué. Yachzor veyavi Hacham acher. Ce pauvre voleur devra apporter de nouveau un autre korban Hacham parce qu'il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah d'apporter son Hacham Gezelot étant donné qu'il n'avait pas encore restitué l'argent volé. Précision sur le cas précédent. C'est sur ça que tout à l'heure je vous introduis. Il y a une petite difficulté que je n'ai pas trouvée dans les commentateurs, quelqu'un qui l'explique. Je vous explique quand même mon problème, j'essaye d'être le plus clair possible. Il y a un problème technique. On a dit qu'il a apporté le Hacham à Yoyariv, à famille 1, et ensuite il a apporté l'argent à Yedaya, famille 2. Et alors, la Mishnah nous dit « Imkayam Hacham ». Si le Korban Hacham est encore vivant, j'ai un problème technique. Qu'est-ce qu'il fait là, ce Korban Hacham? S'il a apporté le Korban Hacham, donc on était étalé sur deux semaines. Semaine 1 pour famille 1, semaine 2 pour famille 2. Qu'est-ce qu'il fait là, ce Korban-là? Que si quand semaine 2 arrive, si le Korban Hacham est encore présent, alors... Yoyariv, on apprendra dans le Bartanura que Yoyariv ont une amende de donner ce korban à famille Yedaya, même si Alpidin, juridiquement, c'est eux les propriétaires maintenant de ce korban, malgré tout ils devront le donner à Yedaya. Il y a un petit problème, une petite anomalie dans le temps, d'accord? La famille 1, Yoyariv, a reçu le korban, et au lieu de la porter, ils ont attendu que c'est le tour de Yedaya. Je déduis de là que Yoyariv a le droit d'apporter son korban pendant la semaine de Yedaya. C'est une halakha un petit peu complexe, c'est lié en fait à l'agma dans Bava Kama, ici deux Mishnayot en arrière. En réalité, on apprend qu'un Kohen a le droit à n'importe quel moment de venir au Beth Amikdash et d'apporter un korban qui lui appartient à lui. Je comprends de cette Mishnah que même lorsqu'un Israël est venu et a apporté un korban qu'il a donné à une famille de Kohanim, désormais, cette famille de Kohanim est telle, c'est elle la c'est elle qui détient le droit d'apporter ce korban, c'est devenu comme un bien à eux. De ce fait, même lorsque Yedaya, famille 2, entrera en fonction, Yoyariv auront encore le droit d'apporter ce korban Hacham. Et c'est le seul moyen de comprendre ce que les commentateurs expliquent, qu'ici, il y a malgré tout un knas, une amende, que Yoyariv devront transmettre ce korban, malgré tout ce korban Hacham, à Yedaya, pour que ce soit Yedaya qui fasse ce korban. Pourquoi ? Parce que Yoyariv n'avait pas le droit de recevoir le korban Hacham tant qu'il n'avait pas reçu le remboursement du capital. Voilà pour la Mishnah, j'espère que j'ai été assez clair. Dernière partie de la Mishnah, très simple. Ouais, si on fait le point malgré tout, à part cette petite parenthèse un petit peu complexe, la Mishnah elle est claire, on va quand même synthétiser dans 30 secondes. Natan ata keren, velo natan ata chomesh, en chomesh me'akev. La Mishnah ensuite conclut pour nous dire, s'il a remboursé le keren, mais qu'il n'a pas encore remboursé le chomesh, le cinquième, on a déjà appris ça. En Chomesh Me'akev, le remboursement du Chomesh, du cinquième, n'empêche pas la possibilité d'apporter le Korban Hacham. Oui, la Kapara, elle se fait concrètement en apportant le Keren, le capital, et en apportant aussi le Korban Hacham. Et à part ça, il y a un dû de rembourser le cinquième. D'accord, c'est qu'un dû, mais la Kapara, elle s'est bémette achevée depuis le moment où il a fini d'apporter ce Korban Hacham. Il y a un Tosot Yom Tov qui parle de ça, mais... je rapporte sa conclusion. D'accord ?
Je récapitule maintenant la Mishnah. C'est simple. Si on rentre pas dans les détails, la Mishnah elle est très simple. On a parlé d'abord du cas de celui qui apporte uniquement, qui rembourse le capital et qui n'a pas le temps d'apporter son korban. Les Kohanim qui reçoivent cet argent ne devront pas le restituer aux héritiers, parce que restituer l'argent, ça fait déjà partie de la capara. Donc il a commencé la capara. Hein. Maintenant qu'il est dans sa tombe, on ne va pas partir récupérer cet argent et lui annuler sa capara. Non, c'est bien. Au moins, il sera mort en ayant fait au moins la moitié de sa capara. C'est très bien, Kola Kavodlo. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. On a insisté sur l'importance d'apporter de rendre le capital avant d'apporter le korban Hacham. Et celui qui apporte le korban Hacham, avant de rembourser son keren, alors, il ne s'est pas acquitté. Dans le cas particulier où le korban Hacham est encore vivant, alors même si c'était famille 1 Yehoi Arrive qui avait ce korban dans les mains, et que normalement, juridiquement, c'est eux ceux qui détiennent le droit d'apporter ce korban, malgré tout, ils devront céder ce korban à Mishpachat Yedaya, à la famille de Yedaya, pour que ce soit Yedaya qui l'apporte. C'était une amende spéciale. Et dernière partie de la Mishnah, c'était uniquement le cas où il apportait le capital sans rembourser le Chomesh, le cinquième, où la Mishnah nous enseigne qu'il s'est déjà acquitté de son devoir. Ça, c'est une notion qui était déjà apprise, déjà vraiment, plusieurs Mishnayot en arrière. Mishnah ou Vav, je ne sais plus. Ouais. Voilà pour la Mishnah. On fait rapidement le Bartanora. Les Anshe Mishmar va mettre. On avait appris, donc, c'est le premier cas de la Mishnah où il a remboursé le capital aux Anshe Mishmar, aux Kohanim qui sont de garde, et ensuite il est décédé. Kodem Sheyavi Korban, avant d'apporter son Korban Hacham. En Yorshe Agazlan Yicholim Losim Yad HaKohanim Me'achar Shezachu Bahen Kevar. Les héritiers du voleur ne pourront plus demander aux Kohanim de leur restituer cet argent, étant donné que les Kohanim ont déjà acquis cet argent, comme on rapporte ça, on déduit ça dans le Pasuk. Oui, cette fameuse notion de Kesef Mechaper Mertza, que le remboursement c'est déjà la moitié de la Kapara, on déduit ça du Pasuk. Ensuite, les Yehoyariv. Deuxième partie de la Mishnah, on apprenait qu'il avait remboursé l'argent à Yehoyariv. C'est qui Yehoyariv ? Hi Mishmara Rishona Shel Esrim Varba Mishmarot Keona Sheba Migdash. Elle est la première garde de famille des Kohanim, parmi les 24 familles des Kohanim qui se relayaient au Beit HaMikdash. Veshel Yedaya Acharea. La famille de Yedaya, c'est un autre Kohen, elle arrive juste après. Ensuite, Nathan Agazlan et Akesef Lioyariv Bemishmarto. Donc maintenant, on nous explique la première partie de la Mishnah. Le Gazlan, la première partie de la Metziata, la deuxième partie de la Mishnah, la première partie de la deuxième partie. Nathan Agazlan et Akesef Lioyariv Bemishmarto. Le Gazlan, le voleur, a remboursé l'argent à Yehoyariv lors de sa garde. Vacharkar Nathan a Hacham Leyedaya Bemishmarto Yatsa. Et ensuite seulement, il a porté son Korban Hacham, pour le donner à la famille de Yedaya, lors de sa garde, Yatsa, il s'est acquitté. Qu'il est mefarech vazil, comme la Mishnah nous l'explique. Shamevi gezelo ad shelo evi korban hachamo yatsa. Celui qui apporte, qui rembourse son dû, son vol, avant d'apporter son korban hacham, Yatsa, il s'acquitte, c'est ce qu'il faut faire. Veza mishmar zacha beshelo, veze beshelo. Et chacune des familles de garde acquiert son dû, son droit. Aval Nathan Hacham le Yoyariv, Shevi Hacham Otrila. Par contre, s'il a donné son korban Hacham à la famille 1, Yoyariv, Shevi Hacham Otrila, il a commencé d'abord, on va prendre le cas, jeudi après-midi, il a porté son korban Hacham. Vacharkar, Evi Gzelo, Venatan la Mishmar chez la Kharav. Et seulement après, dimanche, lundi, il apporte l'argent du capital pour le donner à la famille qui est de garde ensuite, famille Yedaya. Alors la Mishnah nous dit, et Bartenor nous dit, Ima Hacham Kayam, Shelo Ekrivu, Ubnei Yoyariv, si le Korban Hacham qu'il a donné le jeudi à Yoyariv, il est encore vivant, il est encore devant nous. Yekrivu, Ubnei Yedaya, Veye Gezelo, Vachamol Yedaya. S'il est encore vivant, alors ce sera au Bnei Yedaya, à la famille de Yedaya, d'apporter, qui prendra désormais le droit d'apporter ce korban, Veye Gzelo Vachamo Le Yedaya, et comme ça, ils pourront recevoir le Gezel, le capital, et le Hacham, tout reviendra à Yedaya, ils pourront les apporter dans l'ordre requis. Veim En Hachamo Kayam, par contre, si le Hacham il est plus présent,
c'est-à-dire que jeudi après-midi, jeudi matin, Yehoyariv, famille 1, ont apporté le korban, ont fait le korban Hacham, ils l'ont égorgé. Lo yatsa be'Hacham shenatan Yehoyariv. Ce voleur ne s'est pas acquitté par le Hacham qu'il a donné à Yehoyariv. Kevan shelonatan gezelo, étant donné qu'il n'avait pas encore remboursé le gezel, l'argent volé. Ve'yachzor ve'yavi Hacham acher, il devra nécessairement apporter un deuxième korban Hacham. Natan akeren la kohanim. Ensuite, on a appris la dernière partie de la Mishnah. S'il a remboursé le keren, le capital, au kohanim, ve'en achomesh me'akev. On apprenait que le fait de ne pas encore avoir payé le cinquième n'empêche pas mile'akriv et ha'Hashem. Et non me'akev, mile'akriv et ha'Hashem. N'empêche pas de pouvoir apporter le korban Hacham. Im lo natan adain ul basof natan. Même ouais, s'il ne l'a pas encore donné, mais qu'il le donnera malgré tout à la fin. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Chag Sameach, et rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là.